Bon, on a fini de te charcuter. Ça fait 1 500 000, mais ne t'en fais pas, ton entreprise va payer. Tu veux ça ou bien tu veux quelqu'un qui est toujours dans la santé divine? La santé divine. Mais qui donne cette santé divine? C'est Dieu. Oui, excuse-moi. Oui, vas-y. Je peux saisir le water à moi. Oui, dans son ministère. Oui, je veux. On est Covid. On a Covid. On nous a appelé sur le dos, monsieur, vas-y. Un salaire pour ma femme aussi, comme ministre. Ma doigt, ça l'intérêt. Aujourd'hui, je ne veux pas me croiser. Ça fait rien. Dieu cherche à te croiser, toi. Amen. Tu n'as pas besoin de le croiser. Tu as besoin de croiser Jésus. Dis amen. Nous avoir l'aide. Dis amen. Tu as besoin de croiser Jésus. Amen. Parce que tous ceux qui ont croisé autre personne, qui n'ont pas croisé Jésus, quand ils vont mourir, la Bible dit. Voilà. La Bible dit. Oui, je n'ai pas dit non. La Bible dit que sert-il un homme d'avoir tout ce que tu dis là, si au final il meurt et puis il n'a pas Jésus? Alléluia. Donc ne t'en fais pas. Si ils ne t'ont pas reconnu, Jésus t'a reconnu. Dis amen. Amen. Alléluia. Et ce dont il parle, c'est important pour la prière qu'on va faire tout à l'heure. On ne peut pas faire une prière que Dieu va exaucer si on a encore dans le cœur des ressentiments. Même si on a quoi? On a raison. Par exemple, un papa peut avoir élevé des personnes, ses cousins, ses cousines, etc. Et puis ils ont fini de réussir. Mais ils ont fini de réussir là. Même ça guérit, ils n'ont jamais amené. Même merci, ils n'ont jamais dit. Toi, tu es dans ton droit, tu les as vu grandir. Et tu es dans une situation où, ne serait-ce qu'ils peuvent, même s'ils ne font pas quelque chose pour toi, ils peuvent faire quelque chose pour tes enfants. Mais ils ne le font pas. N'en veux pas à ces personnes. Tu l'as fait pour le Seigneur. Mais tu l'as fait sachant que Dieu se souviendra de ça pour faire également à tes enfants. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, personne ne te doit quoi que ce soit. Personne ne te doit quoi que ce soit. Alléluia. Donc, 2019, n'entre pas avec des rancunes. Si tu veux avoir une vie de victoire, ne rentre pas avec des rancunes et des ressentiments. On va te rembourser. On va te rembourser quoi? Est-ce que tu as fini de rembourser la vie à Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Je sais que tu as chaud comme ça. Jésus va te guérir. Tu vois, il est en train de te guérir. Oublie ça. Ils t'ont fait du mal. Mais oublie ça. Qui seront faites, n'hésite pas. Fais-le de tout ton cœur. Si tu sens que tu vas en boucher en priant dans ce coin, fais-le. Parce que Jésus est là pour toi. Alléluia. Amen. D'abord, élève la voix et commence à dire à Dieu. Dis avec moi, Père. Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec tous les péchés, tous les ressentiments, toutes les rancunes, et tout ce qui se trouve dans mon cœur. Pour te demander pardon pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Mais avant d'entrer en 2019, j'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. S'il te plaît, Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi au nom de Jésus. Élève la voix et demande pardon à Dieu. Demande à Dieu véritablement sa miséricorde. Prie le Seigneur avant ton nom. Dans ce temps prophétique de prière, écoute, prie sincèrement, prie de tout ton cœur. Quelque chose de merveilleux va se passer.
de prier. Continue de prier.
Ça fait rien, même si vous êtes trois, ça fait rien, mais tu dois relâcher quelque chose.
Dis avec moi, tout âme, forgé contre toi, en 2019, sera sans effet. Au nom de Jésus. Oui, le Seigneur est libéré, ça c'est sa vie. Quelque chose de ce passé. Activités en téléchargement gratuit. Suivez-nous et restez connectés. Healing Clinic, c'est Jésus qui guérit.